des conditions particulières. Donc l'objectif principal, c'est d'abord de prévenir, de faire connaître le phénomène par plusieurs personnes, parce que vous savez, ce sont des cas minoritaires, ça ne touche pas toutes les femmes. Oui, tout à fait. Et surtout ça, donc l'ouverture, la réouverture plutôt du débat sur le sujet. Mais donc en fait, clairement, hein, il n'y a pas que le Maroc, il y a aussi l'Algérie, oui, non, il y a oui. un des cas pays en musulmans, oui. Et donc, ce qui a été décidé et qui est en train de se faire, c'est la constitution d'un groupe de travail avec un représentant de la ministre des Affaires sociales et du département des Affaires sociales, des représentants des Affaires étrangères et des représentants des pensions. Une fois qu'une solution qui sera juridiquement soutenable sur le plan des conventions internationales sera trouvée, parce que c'est quand même fondamental, une fois qu'on aura ça, on reviendra vers vous. Hein. Je vais vous donner de toute façon mon adresse mail avec quatre vies sur moi. Je vous remets, n'hésitez pas à me contacter, moi je suis vraiment à votre entière et pleine disposition. Et sachez bien que le ministre a pleinement conscience de la problématique. Et donc vous n'avez pas oui. à vous inquiéter. Je voudrais juste précision. Je ne vais pas vous convaincre de. Non, mais vous ne devez il y a pas. Des cas humains. Là. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que ce problème dont les conventions internationales. Il y a d'autres conventions internationales et dont les victimes sont les femmes belges. Donc voilà, notamment l'héritage, par exemple, au Maroc, une femme belge d'ici n'est pas musulmane, donc dont la loi et n'est pas reconnue, donc elle ne peut pas hériter. Donc au Maroc. Oui. Et l'héritage va être attribué automatiquement aux frères et aux parents du défunt. Qui dépasse les compétences du ministre des Pensions. C'est juste pour vous dire que le droit international n'est pas vraiment juste, et surtout envers la femme. En plus, cette législation, enfin cette convention, date quand même de 50 ans. 1970. Voilà, donc il y a quand même il y a intérêt, les migrations ont changé, les gens se sont stabilisés, se sont devenus belges, donc. Il y a moyen de réactualiser tout ça, je pense. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, on est à votre écoute et on a bien pris conscience du problème et on travaille dessus. Ça ne va pas se régler d'un coup de baguette magique. Non, bien sûr. Mais en tout cas, on a pris le problème à bras le cœur. En fait, les femmes qui sont ici et d'autres femmes ont décidé, pour la symbolique, d'agir comme les femmes d'Argentine. Hein. Oui, tout à fait. Une fois tous les mois, ils vont venir un peu vous. Vous faut dire bonjour. Il n'y a pas de souci. Hein? Il n'y a pas de souci. Je suis évoluer les choses parce que ça fait longtemps qu'on attend, mais rien n'a été fait. Donc voilà, c'est juste pour faire un petit peu bouger les choses s'il y a moyen. Il y a plus qui a été fait en quelques mois qu'en de nombreuses années précédemment. Ça, je m'en doute pas. Donc voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à la volonté politique de régler ce problème. En tout cas, avant 2019, les élections législatives, on voudrait que cette histoire soit réglée sous la législature actuelle avec M. Baclay. J'en prends bonne note. Donc le deadline, il est là. Je prends bonne note, ça va ? Ok, merci beaucoup. Merci monsieur. Merci. Au revoir. Bon, d'une part, le ministre a quand même conscience de la problématique qui découle d'un certain nombre d'accords internationaux datant des années 70. Il y a une volonté politique de trouver une solution à ce problème, mais qui respecte le droit international et qui soit juridiquement soutenable et pertinente. Et pour ce faire, un groupe de travail a été constitué avec des représentants du département des affaires étrangères, des affaires sociales. Alors, pourquoi nous sommes là aujourd'hui ? Nous sommes là aujourd'hui afin d'ouvrir le débat sur un sujet très essentiel qui est le partage des pensions entre plusieurs femmes. Donc, comme vous savez, la Belgique ne reconnaît pas la polygamie, mais à travers quelques conventions internationales, elle les reconnaît de manière implicite. Et donc, comme exemple de ceci, il y a l'article 24 de la convention internationale bilatérale avec le Maroc en matière des allocations familiales et surtout en matière de pension. Donc là, on a plusieurs femmes qui sont touchées par ce phénomène-là. Donc si on est là aujourd'hui, c'est pour soutenir ces femmes-là. Et d'une. Et d'autre, c'est aussi pour ouvrir le débat, donc pour mettre un petit peu de pression, puisque rien n'a été fait depuis les années 70. Donc c'est pour faire pression sur le ministère pour qu'il y ait une réaction ou des solutions par rapport à ce souci. Donc voilà, comme vous voyez, donc on a eu une réponse favorable du ministère. Il y a eu le ministre le représentant du ministre qui était là pour nous dire que éventuellement il y a des workshops qui ont été ouverts sur le sujet pour très
trouver des solutions valables pour tout le monde, et pour la femme d'ici, et pour la femme qui se trouve au Maroc.